On est enfin arrivé à notre petite maison pour les vacances. Eh hey, ouais, c'est pas mal. Cette maison a l'air très classe. D'accord, ramène cette valise. On est arrivé. Je trouve ça intolérable. Pourquoi ce serait moi qui devrais porter cette valise? C'est la punition après avoir laissé tomber mes cartouches et mes jeux vidéo dans la dans notre maison. Oh, c'est pas la peine de m'engueuler non plus. Oh non, non, oh. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la valise. Je te rappelle quand même qu'on a ramené nos copains. Quoi? Mais t'es pas bien de la tête. Je te rappelle quand même que tu as oublié de ramener les cartouches et la console de jeux vidéo. Comment, pas la peine de m'engueuler. Eh, hey, bande de trous du cul, vous pouvez sortir. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui serais dans cette valise? Parce que tu as insisté. Ah oui, c'est vrai. Et insister à propos à quoi? À propos que tu ne veux pas marcher tous ces trajets pour aller aux Pyrénées. Du ou à là, à où? De l'idée de rigolo aux Pyrénées. Ah bah carrément. Et pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne? Parce que tu es cool. Yeah, yeah. Non, il est pas cool. Il est moche. La ferme abruti. Trop cool. On va passer du meilleur moment de toute notre vie, n'est-ce pas les gars? Ouais, 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 ouais. Non. Oh, oh. Ah, merci de m'avoir choisi. Non, franchement, c'est génial. J'ai rêvé de partir en vacances depuis toujours. Il n'y a pas de quoi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire une meilleure vacance de tous les temps? Je reviens. Mais pas si bizarre, quoi. Que là on fait rien de spécial. Oh, mais non, allez, on doit faire quelque chose de bien, hein. C'est pas. Pour le moment on ne fait rien. À part moi, je vais manger. C'est piquant. Ah. Ça sent bizarre. Oh non, d'accord. Ça va? Non, ça va pas. Je m'ennuie. La Cole, tu t'es lavé depuis combien de temps? 2 ans. Arrête! Stop! La ferme, lave-toi! Non! Lave-toi, abruti déchirant! Voilà, maintenant tu sens mieux. Hé, hey, Zou! Aïe! Aïe! Ça sent. Oh, la ferme, Kirito. Je t'interdis de m'adresser. J'allais dire que ça sent bon. Mais moi, j'ai honte. Les étudiants ne savent lave jamais. À cause de cet abruti de Mario, mes règles sont foutues. Tes règles? Ben oui, c'est marqué dans le livre. Je sais pas pourquoi, mais je commence à m'ennuyer là. Ça dirait partir faire un tour aux Pyrénées. C'est la meilleure idée de tous les temps. Faisons un tour des Pyrénées pendant les vacances. Bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Ouais, bonne idée. Ouais, c'est la meilleure idée qu'il n'y ait jamais eu, Mario. C'est Wario qui a eu l'idée. Oh, mais bon, Wario, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Oh. Non, que j'ai jamais eue. Moi, je trouve que c'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais vue dans toute ma vie. La ferme Ishida, de merde. Bon, bah, tout ce que nous avons à faire, c'est de quitter la maison, puis faire un tour. Waouh, comme on ne savait pas. On sait très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Allons-y. Oh, c'est pas vrai. C'est bloqué. Dis la porte, tu pourrais l'ouvrir. Hein? Merci. Bon, par où on va commencer? Peut-être par là-bas. On va escalader les montagnes pour voir.
pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui porte? Non seulement tu as oublié mes affaires, tu as oublié les nourritures de Wario, les affaires mignonnes de Sonic, les affaires de Toad pour faire son sport, les affaires du ski, les affaires de Luigi, et surtout les affaires de Kirito. Je suis pas d'accord, c'est pas parce que je fais des bêtises que je suis obligé d'avoir une punition. Si, maintenant, dépêche-toi, on se grouille. La routine Mario. Tiens, pour la peine, tu vas devoir escalader là. Oh, mais pourquoi? Parce que c'est la punition. Yes, c'est la punition. Je t'entends. J'en ai marre. Oh, tiens, je vais faire une pause. La cool. Oh, ça va, on ne parle pas de gueuler en plus. C'est quoi cette machine? Je suppose que ça doit être la station du ski. Ah, d'accord. Pourquoi? Bah, c'est là où on escalade. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où on fait monter les skieurs au haut de la montagne. Oh, pourquoi on n'a pas ça, hein? Parce que c'est fait pour des skieurs, pas fait pour des échidas. Ce sont des racistes. C'est une façon de parler. Ne lâche pas. Si tu lâches, eh ben on va risquer de se glisser. Je serai le maître du monde. Je suis en pute merde, je escalade par moi-même. Ouais, vous m'entendez? Je suis le maître de... Tout ça pour ça, mais c'est une perte de temps. Oh merde, je n'ai qu'à escalader. Hein? On est déjà arrivé? Non, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait cette... Oh l'enfoiré! Il s'est enfui! Quoi? Il s'est enfui? Qu'est-ce qui se passe? Libéré, délivré, je suis le beau gosse de l'univers. Libéré, délivré, je serai le maître d'escaladeur. Oh, les skieurs, je vais les faire défoncer, moi. Ça coule. Hein? On est arrivé? Oui. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que cet abruti de Knuckle nous a laissé tomber. Oh, c'est pas vrai. Où est-ce que nous sommes? Ah, on est dans la route. Couvert de neige. Mais alors, on est perdu? Tant qu'on a la carte, on a oublié la carte. On peut pas savoir où est-ce qu'on est. Donc ouais, on est perdu. Sonic, qu'est-ce que tu fais? Pardon? J'essaie de d'être tranquille. Ça va, on va se sortir. Laisse tomber. Comment on va faire? J'ai dit on va s'en sortir. Non, je pense pas. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai froid. Ne me dis pas que c'est la reine de neige qui a inventé toute la neige. Non, on est aux Pyrénées. C'est normal qu'il y ait de la neige. Pour le moment, faudrait qu'on avance. Mais le problème, c'est comment il faut faire pour s'avancer. Faudrait que quelqu'un prenne le relais, vu que cet abruti n'est pas là. Oh, c'est pas vrai. Je vais les défoncer, ce Chida. Ouf, heureusement que c'est un abruti de marionnée. Pas là. Attends, ça voudrait dire que je vais pouvoir m'en aller. C'est cool, là. Libre. Je suis enfin libre de ces bandes de trous du cul. Ils n'ont qu'à pas me traiter comme des esclaves. Je peux faire gaffe. Quoi? Je fais une pause. Aïe aïe.
de faire ça. C'est plus fort que moi. Oh, j'ai froid d'un seul coup. J'ai une honte de ma vie. J'ai froid d'un seul coup. Quand nous sommes... On est perdus dans la forêt. Fuck! Et pendant les autres s'amusent, on est perdus dans la forêt. Oh mon dieu. Je crains le pire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, je m'enfonce dans la neige. C'est pas normal. Attends une minute. Oh merde. On est dans la neige totalement. Neigeux! Ça veut dire quoi, neigeux? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de neige et que là, on risque de s'enfondre. Oh, je commence à stresser. Ah non, non, je suis un prochain! Mon dieu! Oh mon dieu! Oh, oh, oh non! Oh si je m'en fous! Ah bah merci, hein! Merci de me servir comme des fauteuils! Mais de rien! Ah, si jamais tu pètes! Wario, ne dis pas que t'as fait exprès. Je crois que je vais m'enfoncer aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être à cause de loup-garou. À cause de loup-garou. Un loup-garou? Ici, dans les Pyrénées? Je sais pas, peut-être j'ai tort. Apparemment, dès les prochains. Wario, viens ici. Oh merde, je crains qu'on est coincé ici. À moi, si je bouge mon cul, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Je commence à geler. Quoi? Bah oui, ça se voit, on est dans la neige. Ça se voit. Oh merde. Je commence à geler aussi. Mes jambes sont engourdies. Il y aurait pas t-il de l'aide. Les mecs, on a Kirito. Peut-être Kirito va... Moi aussi, je suis enfoncé. Et merde! Ah, tu es venu ici, hein? Pourquoi? Bonne nouvelle. Je sens... Il me semble qu'il y a un chalet qui permet de nous rafraîchir. Ah oui, et la bonne? Moi aussi, je suis enfoncé. Fuck! Combien de temps qu'on est ici? Je sais pas, mais là, je commence à se sentir mal, cette histoire. Des mecs, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Le sac de téléportation! Quel sac? Regarde! Eh, hey, ouais, c'est vrai! Mais le problème, c'est qu'on est engourdi. Ouais, Wario aurait pu y penser avant. Alors que tu l'as vu, toi aussi! J'ai honte. On va finir comme un homme de Cro-Magnon. On va être gelé. Non! Non! J'ai une si belle vie! Attends une minute. Hé? Les gars? Quoi? Je suis pas engourdi! Quoi? J'ai toujours ma top! Attends, comment ça se fait? Je sais pas. Enfin bref, il faudrait que tu nous aides. D'accord. Oh merci Mario, merci. Et moi alors? Toujours engourdi? Oh oui, toujours engourdi. Je peux pas tout écouter. Bah ça tombe bien. Va chercher les secours. Y a pas de problème. Mario, où est-ce que tu vas? Je vais dans le sac de téléportation. Non, Mario, fais pas ça! Eh merde. Hein? Oh fuck. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Eh les mecs! J'ai fait un truc incroyable. Attends une minute. Comment ça se fait qu'on soit là? Vous êtes arrivés aussi vite? Attends. Oh! C'est pas vrai. On est encore...
Oh putain, si je jamais en retrouve cette... Putain, c'est enfoiré, Tichida. On va lui décorer. Oh les mecs, pourquoi est-ce que vous êtes engourdis? Surtout, pourquoi est-ce que vous êtes gelés comme des simples chats? Tichida! Ouais, votre juge, vous êtes même pas capable de l'occuper, bande de fainéants. Quoi? Oh non, je suis enfoncé comme une escargot. Ça n'a rien à voir. Si. Wario, s'il te plaît, ne panique pas. Oh. Désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous avez gardé votre luge, vous devez... Merci Mario de nous avoir joué encore plus. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mon corps est entièrement engourdi. Et bien aussi, moi aussi, moi aussi. Moi, ça va. C'est parce que tu nous as trahis, ma petite Shida. Et puis pourquoi est-ce que tu es venu nous chercher? Nardor m'avait offensé de vous chercher. Eh ben, il a raison. Non, il n'a pas raison. Hey, c'est notre luge, ça? Petite voleuse. Hey, excuse-moi. Quoi? On va te buter à la maison. Je t'assure que c'est vrai. Qui veut monter? Ah oui, c'est vrai. Oh, enfin la tranquillité. Oui, la tranquillité. Merci Mario, tu nous as sauvés. Y'a pas de quoi. Allez, c'est parti les gars. Oui. Faille. Oui, faille. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais. Oh. Je hais ces bandes de couillons. C'était une très mauvaise idée finalement, Mario. Faut pas faire mieux, Mario. Je suis désolé, je pensais que cette idée allait être géniale. Alors on fait quoi du coup? On fait rien, à part regarder la télévision. Si tu vois ce que je veux dire. Oui.